Voulez-vous dire qu'à la suite de la dernière vidéo, j'ai eu plein de jugements par rapport à pourquoi je fais des vidéos, pourquoi je me montre, voilà, je me la pète, qu'est-ce que je cherche à faire ça. Et donc moi, j'avais envie de faire relever le défi et le défi que relever le défi de faire plusieurs vidéos, c'est quelqu'un qui m'a dit de faire ce défi. Et le fait d'avoir ce jugement, ça m'a un peu traversé l'esprit, la tête et tout ça. Et donc, il faut dire aussi que je viens quand même d'une culture où le poids de que ce que vont dire les autres est très, très présent, très puissant. Toujours tenir compte de ce que va dire la famille, les amis, les gens très très loin que tu ne vois jamais, qui ne sont jamais là pour toi, mais qui vont te juger. Ils vont te juger sur tes actes, sur ce que tu fais, ce que tu fais pas. Voilà. Et donc après, je me suis dit, où je m'arrête là? Je reste dans ces jugements et j'arrête ce que je fais par rapport aux vidéos. Je sais pas, à un moment ça a coupé. Alors voilà, donc je parlais des jugements. J'ai eu plein de jugements, des gens que je côtoie même pas, quoi, et qui ne sont jamais là pour moi de toutes les manières. Et moi j'avais envie de relever le défi de faire plusieurs vidéos. Et après, il y a mon mental qui venait me dire, ah ouais, est-ce qu'il faut continuer à se montrer, à montrer sa vulnérabilité, à montrer comment on est, et tout ceci. Donc, ben non, j'accueille tout ça, j'accueille les jugements et les jugements au départ, ils sont quand même un peu négatif, peut-être pas, c'était pas l'intention de la personne, mais voilà, le poids des mots, les mots, c'est quand même un impact sur le corps, sur l'émotion, sur tout ce que vous voulez. Et ben voilà, moi j'ai décidé de relever le défi et de faire des vidéos, de sortir, d'être de plus en plus moi dans ma vulnérabilité, dans ma puissance, d'être plus moi, encore plus moi dans ce que je fais et le montrer, voilà, le montrer et c'est pas quand même facile. Les vidéos, c'est pas évident parce que là, ce que je fais, c'est le direct et le direct, ben, c'est direct. T'as pas le temps d'adapter la vidéo, de la rechanger, de faire un montage, d'enlever, voilà. Les choses qui vont pas. Donc voilà, je suis moi et j'aspire à être de plus en plus moi, avec plus d'espace dans mon corps et avec voilà tout ce que ça peut générer comme incommodation, voilà, et lâcher prise sur les jugements. Les jugements, parce que les jugements qui sont vraiment dans l'inconscient collectif. Ouais, c'est pas toujours évident. Ben, peut-être qu'il y en a qui ne le vivent pas ou ne l'ont pas vécu. Mais voilà, quand tu as une culture qui est vraiment imprégné de ce que va dire l'autre, là, ça ancre, ça, c'est vraiment un ancrage dans la personnalité. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de plus en plus d'enlever, ces couches qui m'empêchent d'être de plus en plus moi. Voilà. Et voilà, je vous encourage à le faire, peut-être pas en vidéo, mais dans les domaines de votre vie qui peuvent vous apporter encore plus d'épanouissement et de mieux-être et plus d'alignement avec vous-même. À bientôt. Coucou, Bichara.
du Maroc. Ah. Alors, ça ne veut pas se terminer. Terminé. J'ai dit terminé. Bye bye.